Bon, on est reparti pour la deuxième partie de stream, les copains. Cette fois, on va continuer donc l'expansion de notre île, continuer les didacticiels. On doit en priorité étendre nos infrastructures électriques, parce que sinon, on est dans la merde. Et là, justement... Ouais, je fais ça pour YouTube, je fais aussi ça pour me détendre un peu aussi, que tu sais. Dommage que j'ai pas un lance-roquette chez moi, non, je déconne. Alors, est-ce qu'on peut le déplacer? Alors, déjà, je vais retirer le mode accéléré. Ensuite, on va le déplacer. Si je le mets là, admettons, ça donne quoi? Voilà. Donc là, on peut en mettre 4. Là, je vais laisser un petit passage exprès, comme ça, nos gars pourront circuler. Je vais rajouter 2 générateurs pour commencer. On a le temps, sur le long terme. Bah, c'est juste pour déjà souffler un petit peu, tu sais. Ah, la transition! Pour souffler un petit peu, pour recueillir vos avis, ce genre de choses. Il faut ça aussi, tu sais. Sinon, tu peux pas non plus être une bête de stream H24, tu sais. Faut savoir se mettre des pauses aussi, hein, tu vois. Bah, du coup, j'ai fait fuir tout le monde avec ma transition. Alors, nous avons des nouveaux objectifs principaux. Ouvrez l'écran de recherche. C'est parti. Sbire, qu'est-ce qu'on a ? And set your scientists researching it. We suggest increasing your minion capacity, but ultimately the choice is yours, oh wise one. Alors, accroître 10 sbires, je prends. Research has begun. Research takes time, and our scientists will let us know when it's complete. Head back to the lair to continue your world domination. You are blessed with powerful abilities which can be used to further influence those around you. Ah, il est où notre super Ivan le Rouge? This ability increases the importance and speed within your area of influence. Maintenant, on va voir un peu comment ils fonctionnent dans les aptitudes. Your lair, such as your control room, and trigger the ability. Allez, cours, Ivan, cours. On va activer son bonus tout de suite. Malheureusement, non, mon cher Coty. Bon, au moins, il est traduit en français. Après, Rebellion est un sous-titre anglophone, hein, mais... Moi, ça me choque pas. Il me ferait penser à... Bison, ton maître du mal. Ah bon. Ah bon. Side stories are objectives that will unlock powerful additions to your empire. You should start by learning about how What we need is a little more muscle around here. You there? How much can you lift? About 70 kilos on a good day. 80 if I use both hands. And how many bullet wounds can you take before you give up? One. Maybe two. My point exactly. Get out there and find someone strong. Learn their secrets. Et là, on va commencer avec les gardes, justement. Avec Ivan, je rappelle qu'on a des bonus avec les gardes. Side story begun. Many objectives require you to send different types of minions to run special schemes. Let's go to the world stage to get started. One of the highlighted schemes Alors, is near one of your criminal networks. You can send on en a une en cours ici, je l'avais oublié. Or you can search the globe for an alternative. Là, je vais attendre les 5 dernières minutes. Comme ça, je pourrais récupérer 5 de l'or. Là, on est en train de tout piller. Hein. J'aime bien le nom des petits succès. Austin Roder. Non, Gauthier, j'ai toujours pas eu le temps de les créer. Je t'avoue, il faudrait que je trouve quelqu'un qui m'aide là-dessus. Je vais pas faire des émoticônes compliqués non plus pour le moment. Après, bon, je t'avoue que
J'ai pas 50 000 abonnements non plus, mais c'est vrai que pour remercier les viewers et tout, ça pourrait être une idée intéressante, effectivement. Ah, projet quoi? Suspendu? The fuck? Pourquoi? Bon, on y est bientôt fini, dans 3 minutes. Là, il nous faut le plus d'argent possible, évidemment. Ah, zut. Donc, il nous faut encore... On doit encore gagner de l'or grâce aux machinations. Bon, on va y arriver, je pense. Hein. Ensuite. Pourquoi ça a arrêté? Attends, quoi, j'ai perdu tous mes scientifiques, tu vas me dire? Non. Non, ça va, ils sont où mes scientifiques, là? Alors, il y en a un qui mange. Bah, les deux mangent, ok. Tout va bien, ils sont en train de se restaurer, bon. Ah putain, ça me donne faim quand je vois toute cette bouffe. J'aime bien le système qu'ils ont fait quand même. Ils se sont bien, vraiment bien cassés la tête. Alors pourquoi ici je peux pas agrandir ma salle de contrôle normalement si? Non? Ah, je peux pas l'agrandir davantage. Oh, ok. Parce que c'est ça la pierre dure dont on parle. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Donc là, notre électricité, on a encore de la marge. Et maintenant, on va aller capturer ce garde ici. C'est parti, mon kiki. Allez, les sbires, vous me ramenez ce garde. Vous lui bottez le cul et on le récupère pour nous. On se met plutôt pas mal, hein, si je peux me permettre. On se met plutôt pas mal. Allez au boulot, les gars, là. Je vous paye pas à rien foutre. Fan de jeux de société. Oh. On a 62%. Il nous manquerait quoi? Ok, donc on pourra débloquer des recherches avancées, mais il nous faudra des outils spécifiques à un moment, ce que je vois. On peut déjà aussi concocter des pièges. Je pense qu'on va se marrer avec tous ces pièges plus sur le long terme. Oh là là, il y a de quoi faire sur ce jeu. What to do? Je pense que je vais rajouter deux scientifiques supplémentaires. Je vais doubler. Plus ça tournera, mieux pour des recherches, mieux ce sera. Allez, let's go, on va capturer ce garde. Research has resumed. Ah bah voilà! Allez les gars, on peut y arriver. Ensuite là, alors, au niveau d'électricité, on est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour la caserne, on pourrait faire d'autres casiers. Ça augmenterait encore la capacité d'accueil de notre base. Bon, un casier de plus, tu me diras, c'est toujours ça de prix. 3 sbires, c'est vrai, ça peut être intéressant.
Your minions have kidnapped a specialist. Once they're in a holding cell, you can choose to interrogate them. Ça y est, on va commencer les conneries. Donc obtenir la récompense. Réussir 3 machinations, c'est en cours. Recruter 25 sbires sur long terme, c'est bien, ça aussi. Interroger un agent, on va le prendre. Et terminer un projet de recherche aussi. Escortons le prisonnier. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vraiment, on n'a pas encore de bonus pour les génies et tout. Ah, quoi que si, attends. Opération mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la base ? Porte blindée, porte laser. On va refaire des portes plus blindées pour certaines salles. Ça peut être un plan. On va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Bon, évidemment, les enfants, ne faites pas chasser vous chez vous, bien sûr. Je dis ça pour votre sécurité. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Ouf. Alors, Seyon Bilton a tué ce garde. With all these new recruits, you should expand your training room to make space for all those exotic training machines. Je vous allez voir, j'espère que ça va passer. 4. Voilà. New main objective available. Guards are important to the security of your lair, but can disappear quicker than a dry martini. Build 2 guard trainers so that your minions can top up their wilting numbers post haste. Hop. Voilà. Once constructed, we can use the minion training screen to request our minions start their training. Et je pense qu'on va tout de suite former les gardes. Comme ça, on pourra se mettre bien. 4 gardes, je pense que c'est bien pour démarrer. On aura autant de scientifiques et de gardes déjà pour un départ. C'est plutôt pas mal. Comment notre Ivan, lui, il va buffer les recherches et tout ce qu'il peut faire. Alors attendez. Wow, look at them go. I could do that, but I don't want to. Guards are just one of the muscle type minions you will be able to find as you expand your empire. Ça marche, Gauthier. Bonne soirée à toi et merci d'être passé à la prochaine. Donc, si tu veux voir la suite des rediffusions, ce sera sur YouTube ou sur Twitch pendant un petit moment. Allez, un dur à cuire. Hop. Oh, le colosse là. Cinéphile a vu tous les films imaginables. Fan de disco, refuse de laisser mourir le disco. Oh là 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 là. Alors j'ai un petit point négatif. C'est que les sbires, quand ils changent, ils gardent pas leur nom, quoi. C'est ça que je regrette. Là, c'est le petit point négatif que j'ai. Quand sur le premier vue de Genius, c'était le cas. Mais bon, là je chipote, hein, je vais pas vous le cacher. Allez, on forme des gardes, ils font les Rocky Balboa. On va y arriver, hop. New main objective.
active available. Maintenant, on doit placer des postes de garde. Request some guard posts towards the entrance to your lair. Les sbires s'installeront ici en cas d'alerte rouge. Bah, je vais en mettre un près de la chambre forte. Et le second. Pourquoi pas près de la caserne. Je pense que ça peut être cohérent. Voilà, on confirme. During high alert, your guards will diligently man these aptly named guard posts. On va envoyer de nouveau des sbires ici. Ensuite, on va être pas. Là on est bien. Donc la porte blindée, ça avance. We have picked up some movement near your lair. Keep an eye out for incoming agents. Ah, on va avoir des bastons. Alors, comment ça se passe? Une enquêtrice casse-pied, vous m'avez dit. Bon, les gars, on va voir notre premier combat contre les forces de la justice, apparemment. Enfin, contre l'enquêtrice. Voilà. Bon, les gardes, pour le moment, c'est un peu loin. On va... Les 5, 25 sbires, c'est sur le long terme. Bon, elle est toujours pas là. Et on est déjà à la moitié des sbires. Guards like to use their muscles to defeat agents. Tag this agent for swift termination. En fait, le problème, c'est que je ne la vois pas. Alors, où est-elle? Alors, où est ma cible? Oh bah. Jack Meyer, Forces Unies. Caractéristique médiocre d'une naïveté affligeante. Ça mérite d'être clair. An intruder is in the lair. Kill them. Allez, général. And watch as your minions scurry to deal with any tagged agents they find in your lair. Alors laissons-nous rentrer, on va l'accueillir dignement. Allez, général! Je pense qu'il y a un petit hommage, effectivement. C'est l'acteur qui joue à Austin Power, je crois. Chopez-le! Chopez-le! Il va se faire déglinguer. Allez, 2500 d'or en plus, c'est bien. L'autre. Allez les gars, allez. Oh, ça y est, baston entre Jack Meyer et Richard Bananier. New option.
optional objective available. Ah, rip l'ouvrier. Nicely done. Turn off high alert. Once you have finished. Merde. Fisticuffs are an occupational hazard for your guards and lowers their vitality. Planifions une infirmerie maintenant. A short stay in the infirmary can patch them right up. Vous m'avez dit une infirmerie. Eh ben j'ai sa place. Hop. An intensive care pod like this can officially deal with 1000 boo-boos per hour. Actual results may vary. Ah, tu me donnes 1000 bobos, 1000 bobos. Eh ben punaise. Ni vu ni connu. Je ne vois pas de quoi tu veux vous parler, les gars. Placer une unité de soins intensifs. C'est une sorte. Vous savez à quoi ça me rappelle, ces sortes de sarcophages? Ça me rappelle ceux qu'on avait dans Stargate SG1 pour les go-out. Bon, après c'est des sarcophages égyptiens, mais ça me fait un peu penser à ça sur le concept. Voilà, j'en mets deux. On va accélérer la construction. Ici. On va interroger un sbire prochainement. Bon, les gardes, on en a déjà 5, c'est bien. Quand tu l'as dit, j'ai pensé au sarcophage, ouais. Mais j'aimais bien cette série, Stargate SG1. J'ai pas apprécié, par contre, la suite Stargate Atlantis, mais bon, ça, c'est un autre point. Ça, c'est un autre débat. Mais ça m'a fait penser, sur le coup, le sarcophage des Goa'uld qui se font pour se régénérer, là. Bon, là, on est pas mal. On va devoir interroger un sbire. Eh ben... Isabelle Chips, je suis navré. That minion needs to be captured. Your minions are in combat. Je l'ai pas vu le film. Beau travail avec tous ces équipements sophistiqués. Vos sbires peuvent maintenant s'entraîner pour devenir de vrais gardes. Obtenir la récompense. This is more like it. Tell me, what do you bench press? The biggest one. Right, okay. Not quite what I expected. How many bullet wounds would it take to kill you? The biggest one. Are you okay? Wait. I don't want to know. You're hired. Félicitations. Down, two to go. Select a new minion side story from the objective screen. Alors, nous avons le choix entre les domestiques et les techniciens. Pour moi, les techniciens sont plus importants en priorité pour l'entretien de la base. Parce que je me souviens que les techniciens dans Evil Genius 1, ils étaient ultra importants. Par contre, ils sont ultra faibles. Combat. Je pense que les techniciens sont la priorité. You? Are you responsible for the state of this room? Is that computer supposed to be giving off sparks? Yes, boss. That's how we know it's turned on. Tout va bien. It looks broken to me. Don't you repair these things? We try, but it hurts. The sparks, you see. Quelle équipe encore, excusez-moi, mais... I can't rule the world from a ramshackle lair with hunk-a-junk equipment. Kidnap a specialist, interrogate them, find out how to repair these things. Eh ben, on a notre prochaine mission. To send different types of minions to run special schemes. Let's go to the world stage to get started. Bon, déjà, on va tout de suite interroger le sbire là.
Quoi, on a plus d'énergie? Alors, ça produit combien d'énergie? Un générateur plus 9. Il va nous en falloir 2. À mon avis, je pense que plus tard, on pourra avoir des différents types de générateurs. Alors. One of the highlighted schemes is near one of your criminal networks. You can send minions to complete the scheme now, or you can search the globe for an alternative. On va aller kidnapper un technicien. Allez. Alors, attends, quoi? On a encore cette machination à aller chercher. On va attendre. On a le temps, on n'est pas aux pièces. Interroger un agent. Ok, on va interroger un agent après. Donc on a capturé notre ami. Escorton de prisonnier. Interrogation successful. Générateur plus petit peut-être avec meilleure capacité, je n'ai pas le jeu, le spoil, c'est pas mon truc. Alors Michmuk, bon, ça se tiendrait hein. Je me souviens que dans le premier Alchemy, que j'ai joué il y a très longtemps, je pouvais avoir des générateurs plus performants effectivement et que c'était plus petit. Donc pour moi c'est pas un spoil, t'inquiète pas. Mais ça se tient. Et notre ami Ivan qui est toujours dans le laboratoire, il cherche à comprendre quelque chose. Ah, on va lui mettre un point pour l'effort. Comme pour mon tentative de rire démoniaque, qui s'est complètement foiré. Mais ça, c'est ça. Alors, on doit encore piller ici la théorie du compote. Obtenir la récompense 2500 pour interroger un sbire, c'est dans la boîte, c'est dans la poche. Les 5 gardes pour le moment, on en est encore loin. On va suivre ces trucs là. Tentons d'interroger un agent plus tard. Voilà. On va accélérer un petit peu le temps. Donc dans 20 minutes, ce sera... Si je la change... Bon, tant pis, on a perdu, mais c'est pas grave. Là, il nous faut continuer à avancer. New optional objective available. New research oui. Has been completed. Ça me paraît évident, vous comprenez pas, c'est dans la poche, monsieur Gentil, vous en faites pas. Ah, c'est une référence, mais je suis désolé de m'y rendre, je n'ai pas cette référence. Alors, attends. Je vais commencer à agrandir mon laboratoire, tiens. Oh putain, ça va me coûter cher tout ça. Ah, les inconnus, d'accord. On a une banque de données là, mais oh putain, ça va me coûter un brin ça. Un bras. Je vais tout de suite développer ça là, j'en ai besoin. Ça va me coûter 30k, je vais me retrouver sur la paille. Donc là, il faudrait qu'on termine un autre projet de recherche. Quel projet de recherche allons-nous faire? Ah, en plus ça coûte de l'argent, j'avais oublié ça. Ouais, ça coûte cher les recherches. Il va nous falloir faire de la machination là.
Alors. Ah, on n'a plus d'énergie en plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça passe. On va remonter à plus 2. Hop. Alors, est-ce que je peux établir un autre réseau ailleurs? Ah, c'est dans 3 minutes. Eh bon, on va attendre les 3 minutes, on accélère pour récupérer ce réseau. Donc 20 toutes les 5 secondes, ça nous fait un petit peu d'argent supplémentaire. Mais je pense que plus vite on montera nos réseaux des criminels, plus on gagnera d'argent. Les revenus passifs vont augmenter. On a perdu que 2 sbires au combat en difficile, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est que le didacticien. Oui, je sais, bah, mon truc il est au point mort. Parce que, bah... On a récupéré 75 000 en or grâce aux machinations sur le long terme. Ok. Bon. Renvoyons nos sbires. Je pense que... La devanture de ta base est générée automatiquement. Oui, Michmus, en fait, il y a 3 bases au choix d'entrée de jeu. Elle est générée comme ça. J'avais le choix entre 3 et j'ai pris celle-là. 3 machinations, ça c'est fait. Alors, attendez qu'un technicien soit en prison, d'accord. Oh, le joli joujou. Le joli joujou. Par rapport au premier, c'est plus simple. Ouais, je suis d'accord parce que aussi, moi, ce que j'espère qu'ils ont fait par rapport aux deux, par rapport au premier, c'est que quand tu avais un hôtel, tu pouvais mettre tous les trucs de jeu et tout, ça te générait pas d'argent. J'espère que ça a été modifié, ça. Parce que je trouve que je suis désolé quand tu joues à la roulette russe et tout le tralala. Pour moi, ça devrait se faire. Tiens, je vais revendre plein de trucs. J'ai oublié de vendre des trucs du casino, ça nous fera des fonds en plus. An intruder has been captured. Select the holding cell and then select escort prisoner. After that, select the interrogation device. For now, that's the interrogation chair. Voilà. On est pas mal. Alors, on a réussi à capturer le technicien. Ok. Oups. Annulé. Et toi, on va t'escorter. Allez, on va récupérer des techniciens maintenant. On va être ravis comme ça. Salut Loubou, comment vas-tu? Bienvenue à toi. On peut tout de suite faire une dernière recherche. Je pense que je vais tout de suite améliorer mes trucs, mes réseaux au niveau 2. On est parti. Améliorons tout de suite ça pour les opérations mondiales, ça va être très important. Ensuite, on pourra commencer à faire passer nos réseaux criminels au niveau 2, puis 3, puis 4.
Ah, le mal est inaltérable. Pour ceux qui ont la référence. Elle a été dite. Oui, oui, il a fait chaud, mon cher Nubu, tout à fait. With all these new recruits, you should expand your training room to make space for all those exotic training machines. Encore ? Bon, 4 slots, ça va. New main objective available. Je vais juste faire ça. Interrogation has revealed to us how to build new training furniture. Build the new item in your training room. Formateur de technicien. 27 degrés en Bretagne, eh ben, il devait y avoir du monde. Voilà. Ou par contre, l'électricité, là, ça devient un peu tendu. On va tout de suite l'améliorer parce qu'on en a besoin. Si on n'a plus d'électricité, ça commence à être très compliqué. Alors, au niveau des sbires. Nous avons débloqué un nouveau type de sbire, le technicien. Je pense qu'on va en faire uno, dos, tres, cuatro. Voilà. Au moins, les sbires, ça va commencer à y aller. Du coup, ici, c'est quoi ça? De l'argent, on va y aller. Ça c'est fait. Fouika c'est quand? Alors ce sera demain ou bon. Et si je dis pas de bêtises, dimanche. Comme c'est lundi, c'est férié. Je vais alterner un petit peu le goût parce que bon, j'avoue qu'en ce moment, Flux Kingdom sur YouTube, je trouve que c'est pas la joie. Oh, c'est un très bon opus, mais bon, ça c'est mon point de vue. Nous avons un autre technicien, des extincteurs. Alors, où peut-on mettre des extincteurs? Pour moi, on en met un près de la salle de générateur parce que s'il y a un incendie, on va passer pour des blaireaux. Et le second, je vais le mettre ici, entre la salle de contrôle, le mess et la caserne. Voilà. New optional objective available. Any of your minions can pick up and use a fire extinguisher. Interrogation d'agent 2500, boum. Bon, le troisième projet de recherche, ça va être en cours. Installer des casiers dans les casernes, on va le faire aussi dès qu'on pourra l'agrandir. Former des techniciens. Oui. Les 25 sbires, on va bientôt les avoir. Il nous en reste plus qu'un. On a déjà 3 casiers dans la caserne. C'est déjà bien pour démarrer. On va la réaménager, la caserne. Elle va être obligatoirement agrandie. C'est moi qui vous le dis. Optional objective complete. Yeah! Alors, c'est quoi? 25 sbires. Boum. Évidemment, il nous faut des sbires pour agrandir notre base criminelle. Alors, au niveau de la. New main objective available. Donc là, il nous faudra encore une demi-heure pour arriver à ça. Alors, ce que je vais faire, je vais accélérer. Non. Un gant de boxe, vous avez dit. On va commencer à faire des pièges. Alors, où allons-nous mettre un gant de boxe? Bah tiens, j'ai une idée. On va en mettre deux là. You train enough technicians to keep all your traps in working order. Traps won't trigger if their durability gets too low. Et ici, on va faire aussi plus de générateurs. Ah ça, ouais. On va en rajouter 4.
J'ai accéléré pour gagner le plus d'argent possible. Là, ça va être de l'accélération. Putain, dans Revue Genius 1, je me souviens que c'était horrible quand tu pouvais pas. Alors, attends. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Impatience, n'a jamais de temps à perdre, collectionne les timbres par centaines. C'est Evil Genius, le bout. En gros, tu sais, un style de jeu de construction de base, un peu comme les Dungeon Keeper. Et en gros, tu incarnes un génie du maléfique, tu en as plusieurs dans le jeu. Il y a déjà eu un opus il y a en 2004. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Tu incarnes ton génie maléfique ici, donc tu en as plusieurs. Le but, c'est de dominer le monde. Tu fais le mal sur cette carte. Tu as des agents qui viennent t'embêter dans ta base. Tu dois les éliminer pour éviter de nuire à ton réseau. Alors, c'est quoi ça? Tu as différents bonus. Tu dois faire des actions. Tu dois éviter que l'ennemi t'embête, quoi. T'es un petit peu le... Tu as peut-être connu Austin Powers avec le Docteur d'Enfer. C'est un petit peu cette idée-là, grosso modo. Mais du côté Docteur d'Enfer, bien sûr. Bon, l'électricité, on est large. On est très large, là. Ça, c'est plutôt une excellente chose. Oh! Ah, par contre, là, ça coûte du pognon, hein, les recherches. 22 000 le niveau 2, donc là c'est 44 000 là, 88 000 est là, oh les recherches à la fin, c'est ça mes chemins, tout à fait aussi, j'ai pas pensé sur le coup. Oh là, il y a tellement de pièges. Bon, on a assez de techniciens logiquement. Obtenir la récompense, allez hop. Installer des casiers dans les casernes, pourquoi pas. Former des techniciens, on en a déjà deux de plus. Là, ça, c'est bon. Terminer le repérage d'une région, ce serait génial. Donc, la prochaine étape qu'on fera plus tard, c'est les domestiques. Ah, ça y est, Gang Box va être placé. New optional objective available. We have picked up some movement near your lair. Keep an eye out for incoming agents. Alors, on va surveiller, attendre l'enquêtrice casse-pied. On va voir quel nom cette fois qu'on rigole. Ah, on a les deux fontaines aussi là avant. This agent looks like they might have some juicy information. Tag them for capture. Alors, marquer enquêteur pour capture. Christy Owens. Est-ce que c'est un hommage à Agatha Christie? Ah non, Kirsty Owens. Est-ce que ce ne serait pas un petit hommage à Agatha Christie indirectement? Bon, je le vois comme ça. Après, ça n'a peut-être rien à voir. Encore une enquêtrice médiocre, hein, mais là, c'est l'habitude. Non! Alice Bishop est décédé. Allez les gars, faut la choper. Hein. Elle est suspicieuse. Hein. Allez. Allez en général. Un espion! Abattez-le! Oh, il s'est pris un coup de banque dans la tronche. On l'a pas dû aimer. Alors. Viens à toi. Chopez-la! Tout sur elle! On n'est pas plus beau là. Ah bon, on a l'incinérateur ici. En gros, Loubou, avant, tu vois, dans le premier Evil Genius, on congelait les corps à un moment. On ne demande pas pourquoi. Et là, dans le 2, on les crame.
We've got a new prisoner. Select the holding cell, and then select escort prisoner. After that, select the interrogation device. For now, that's the interrogation. Le bon, est-ce que ça te dit de faire le bon gentil policier, si tu vois ce que je veux dire? Alors, tu vas parler? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que t'as vu? C'est ça, le bout. On congèle la viande avant de la faire passer au barbecue. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il est en train de rénover l'appareil. Ah, c'est marrant, ça. Being a clever technician is brain straining work. Kirstie Owens, c'est du passé. Bon. Maintenant, on va nous demander de faire des archives. Pour le moment, on peut pas trop en faire. Est-ce que je peux récupérer des trucs ici? Non, non. Donc, il va nous falloir faire des archives. Alors, je regarde tout de suite sur l'écran de domination mondiale. Qu'est-ce qui ne va pas? Ici, on est à... Dans 11 minutes, c'est terminé, ça. Ok. Il reste combien d'argent? Il reste 8000 environ. Il va me faire des archives, des archives. Donc, je pense que ça va... Ouais, ça concerne l'intelligence, ici. Ok. Et vu que... Pour moi, vu que c'est un truc de... De pointe pour les... Un truc de pointe. Un truc pour les sbires en général. Je pense que je vais le mettre pas loin. Mais il va nous falloir trouver de la place. La caserne va falloir l'agrandir ici. Salut le myope, comment vas-tu l'ami? Bienvenue à toi. Ouais, on peut la mettre là. Oh, je démarre le myope. Attends, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, 8 sur 8. Si je fais ça, ça fait combien? 8. Ça fait une petite salle d'archives. A re-educator will teach your minions everything they need to know about the world and how it works. Voilà. Un petit couloir. Et là, on va faire un petit espace plus simple. Voir Batman derrière Kaiser. Kaiser. Ah. I am Batman. Oui, c'est nul, je sais. Non, je vois pas de quoi tu parles. Donc là, on va évidemment placer l'objet nécessaire, chaise de rééducation. En fait, la voix de Batman que j'ai essayé de refaire, le myope, c'était le premier, c'était Batman Begins avec donc Christopher Nolan donc, et Christian Bale. J'ai repensé à celui-ci, tu vois. A minion will always attempt to rest before their smarts becomes critical. If their smarts is this low, it often means an agent has been. On a tout confirmé. Par contre, on n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? 5 gardes, c'est trop long. Établir un nouveau résident criminel, pourquoi pas, tiens. Est-ce que je peux en établir un second ici? Ah, là, je vais y aller. Là, comme ça, j'aurai tout le sud de l'Afrique quasiment. Ah, mais Michael Clinton, c'est une référence. Bien sûr, pour moi, le meilleur avec Michael Clinton, c'est avec le Joker, avec Jack Nicholson. Il avait une de ses prestances, Nicholson, à l'époque. C'était un truc de dingue.
Après, il y a un autre Batman que je voudrais mettre à l'honneur, c'est celui de Val Kilmer dans les années 90 avec Batman Forever. Après, il y avait Tim Burton, tu vas me dire, pour l'époque. Voilà. Alors, on a récupéré des objectifs secondaires. Terminer le repérage d'une région. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Allez, on va récupérer 10K. Là, il nous faut de l'argent, on en a besoin. Donc là, on va gagner 40 toutes les 5 secondes. Ah oui, clairement. Nicholson, bon. Après, le top 3, il peut se discuter, le myope. Parce que là, pour moi, la prestation du Joker de Joaquin Phoenix, elle était impressionnante quand même. Hein. Vu le poids qu'il a perdu, l'entraînement, la façon de le jouer, c'était vraiment impressionnant. Et le troisième... je mettrai celui du défunt F. Ledger dans The Dark Knight, donc avec Christian Bale, je sais plus si c'est The Dark Knight Rise, un truc comme ça. Le top 3, il se dessine là. Celui de l'autre là, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui on va voir dans un film d'essai, j'ai du mal avec lui perso. J'arrête, je sais plus quoi. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un dernier réseau criminel, tiens? Après, la différence je dirais, le myope, c'est que le Joker de Phoenix est le Joker qui se forme, si tu vois ce que je veux dire, à devenir le Joker. J'arrête les deux, tu vois. Ouais, moi je suis. Ouais, honnêtement, j'ai du mal aussi, moi. Bon, je te le dis ouvert. Après, bon. Chacun ses goûts, hein, ça s'aspecte. Il est trop bling. J'aime pas le Joker de Jared Leto, je le trouve trop bling bling, perso. Me, I repair things, prevent breakages, turn things off and on again. Après les gars, on a tous notre opinion, hein, tant qu'on se respecte et qu'on dit le pourquoi du comment, je pense que ça peut le faire, les amis. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous n'êtes pas d'accord entre vous, restez content entre vous, expliquez tout le pourquoi du comment, c'est tout. Ouais, tu vois, moment, là-dessus, on est d'accord sur ce côté-là. Après, j'ai cru que celui qui fait le Joker, donc Jared Leto, alors je sais peut-être que je me trompe d'acteur, mais c'est lui qui devait faire un film, comment il s'appelle? Un film d'un autre méchant de Spider-Man, c'est un vampire en plus, avec des chauves-souris, Moribus, un truc comme ça. Je sais pas si quelqu'un a entendu parler. Alors là, je suis curieux de le voir, parce qu'il me semble que Moribus ou Morbus, c'est un des ennemis de Spider-Man. Dans les comics, je sais pas les détails, mais ce qui paraît, il envoie du. Donc là, on a le temps de commencer le Morbius. Merci, Moment. Donc là, je suis curieux de le voir, par contre. Je veux bien lui donner sa chance. Parce que bon. Alors. Exécutons cette machination. Ok, on a appris une chose, on peut faire une machination par région où on a un réseau. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Donc là, l'argent va plus vite affluer si vous regardez bien. C'est 40 toutes les 5 secondes maintenant. Alors, présentation des sbires. J'ai tout de suite commencé le plan avant que j'oublie. Donc là, les domestiques vont être le dernier. Donc, je pense qu'on va faire. Je vais finir à minuit ce soir. Donc, il nous reste encore quelques minutes. On va le commencer tout de suite. Ou alors, on va attendre plutôt quelques minutes. D'ici 2-3 minutes. Et voilà. Et j'ai fail, désolé. Quoi, tu commences à fail?
T'as fait un échec critique, tu as fait un GFI, tu as fait double 1, c'est ça, avec relance. Oh, le myope. F. Sledger, le défunt. Il est mort avec la drogue, je crois. Ah, on va avoir des enquêteurs, messieurs, dames, qui vont débarquer d'ici 30 minutes. Machination terminée, bien. Je vais établir un autre réseau criminel. Voilà, c'est quoi ça? Putain, je suis bling bling ici. Eh oh, mes yeux, aïe, je suis aveugle. Bon, là on va accumuler de l'argent un petit peu. On peut avoir combien dans notre chambre forte? 58 000. 2022, le film de Morbius, ouais. Alors lui, je sais que c'est, il peut contrôler les chauves-souris. Troisième réseau criminel. Ah bah on en a eu deux. Allez hop. Ok, on est à 100%. Donc ce qu'on va faire, on va continuer d'agrandir notre chambre forte. Voilà. Comme ça, là, on pourra ajouter encore de l'or. On a 31 d'énergie en rab, ce qui est plutôt bien. Alors. Donc, on a 20 minutes avant l'arrivée des forces des enquêteurs, là. J'ai pas vu honnêtement le myop pour F. Ledger. Après, je sais bien qu'ils veulent créer un lien avec bien sûr le Suicide Squad, la section Suicide Squad. Mais bon, je peux pas dire comme j'ai pas vu. Bah bon, en tout cas, le seul point positif de Suicide Squad pour moi, c'était Margot Robbie. Hein, je la trouve très bien en Harley Quinn. Je me souviens pas avoir connu d'autres films avec Harley Quinn à l'heure où on parle. Ok, donc là, notre chambre forte peut contenir 70 000. Ce qui est plutôt pas mal. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. Ah, je parlais du Snyder Cut. Je l'ai pas vu non plus, le myope. Mais bon, après je sais que, bon, il me semble que dans les Injustice, on voit bien, je crois qu'on voit Batman des fois avec le Joker en allié pour aller dans des dimensions parallèles, si j'avais bien suivi. Donc là, dans 20 minutes, on va avoir des enquêteurs. Et on va s'arrêter là pour cette seconde VOD. La richesse nous guette. Nous sommes plutôt pas mal. Notre base va continuer de s'agrandir. Et on va voir ce qui nous attend dans 20 minutes. Nous allons avoir des enquêteurs sur le dos. Enfin, un peu moins de 20 minutes. On se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures, les amis. Ciao, ciao.